السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الفقرة الأخيرة ديال لي نومب غاسيونيل، خاص بأو الثانية إعدادي أبيك. غادي نشوفو في هاد لا فيديو لا ديفيزيون دو دو نومب غاسيونيل، كومون كالكيلي لا ديفيزيون دو دو نومب غاسيونيل خارج عددين جذريين ولا قسمة عددين جذريين. نديرو كوسيون هو الخارج، لا ديفيزيون قسمة. Alors, la division de deux nombres rationnels, petit 1, l'inverse d'un nombre rationnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'inverse d'un nombre rationnel? Définition. Alors, l'inverse de A sur B est la fraction B sur A. Alors, l'inverse de A sur B, l'inverse de A sur B est B sur A. Regardez ici, A sur B, et c'est B sur A. Alors, numérateur sur le dénominateur, qui est le dénominateur sur le numérateur. Et on a dit le maqloub. A sur B, l'inverse de la ou B sur A. Très bien. Alors, exemple, 5 sur 2, l'inverse de 5 sur 2, c'est 2 sur 5. L'inverse de 7, c'est 1 sur 7. Parce que ici sur 1. Puis, propriété, deux nombres sont inverses. On dit deux nombres sont inverses lorsque le produit est égal à 1. Alors, ça, c'est une propriété. Le produit de deux nombres est égal à 1, ça veut dire les deux nombres, l'un, c'est l'inverse de l'autre. Deux nombres sont inverses lorsque leur produit est égal à 1. Je dis عددين يساوي واحد معناه أن أحدهما مقابل للآخر. Par exemple, 5 sur 2 fois 2 sur 5 est égal à 1. Parce que 5 fois 2, 10. 2 fois 5, 10. 10 divisé par 10 est égal à 1. Moins 1,8 fois moins 1 sur 1,8. Alors, est égal à 1. Parce que moins fois moins plus 1,8 divisé par 1,8 est égal à 1. Alors, ça veut dire le produit de deux nombres est égal à 1. Ça veut dire les deux nombres, l'un c'est l'inverse de l'autre. Règle. Alors, ça c'est pour calculer la division de deux nombres rationnels. Alors, soit A sur B et C sur D, deux nombres rationnels tels que C sur D différent à 0. Pourquoi? Parce que C sur D peut trouver sur le dénominateur. Alors, A sur B divisé par C sur D est égal. Le premier nombre, c'est A sur B. Mais le deuxième nombre, c'est quoi? C'est l'inverse de C sur D. Alors, A sur B fois D sur C. Alors, la division, multiplication, ou le deuxième nombre, l'inverse. Alors ça c'est la même chose. On peut écrire A sur B divise C sur D, ou bien sur C sur D. Alors ça c'est la même chose. La règle permet donc de transformer une division de fraction en une multiplication. Alors, on a ici la division, on transforme à la multiplication. Alors, خارج عددين جذريين هو جدا الأول في مقلوب الثاني. كنديرو العدد الأول كنكتبوه وكنضربوه في مقلوب العدد الثاني. Alors, exemple, 5 sur 2 divisé par moins 6 sur 7. Alors, هل العدد الأول؟ هل العدد الثاني؟ Alors, 5 sur 2, كنخليه كما هو, fois l'inverse de moins 6 sur 7. Il y a 7 sur moins 6, ou bien moins 7 sur 6, c'est la même chose. Après, on applique la règle de le produit. 5 fois moins 7, 2 fois 6. Alors, c'est égal moins 35 sur 2. Autre exemple, 2 sur 8 divisé par 25 sur 15. Alors, la même chose, 2 sur 8 fois
L'inverse de 15, c'est 15 sur 25. Alors après, on peut quoi? On peut simplifier. Alors ici, on simplifie par 4. Alors 12 divisé par 4, c'est 3. Et 8 divisé par 4, c'est 2. Ici, on divise par 5. Alors 15 divisé par 5, 3. Et 25 divisé par 5, c'est 5. Avant de calculer, on peut simplifier. يعني قبل ما تنحسبوا ممكن نختزلوا عاد نحسبوا يعني لا ميم شوز راه بحال بحال. الوغ 3 فوا 3 9 2 فوا 5 10. تري بيان. اوتر اكزومبل موان 14 سور 21 ديفيزي بار موان 16 سور 12. الوغ سا سي لا بروميير نومبر موان 14 سور 21 فوا الوغ لا ديفيزيون ترانسفير ا لو برودوي moins 16 sur 12. Alors l'inverse, c'est 12 sur moins 16. 12 sur moins 16 ou bien moins 12 sur 16. Alors la même chose. On peut simplifier par ici, par 7. Alors 14 divisé par 7, c'est 2, moins 2. 21 divisé par 7, c'est 3. 12 et 16, on simplifie par 4. 12 divisé par 4, c'est 3. Alors moins 3. 16 divisé par 4, c'est 4. Après, moins 2 fois moins 3, ou bien on peut simplifier par 3. Alors, moins 2 fois et c'est par 2. Alors, le reste et c'est comme ça. Alors, moins 2 fois 1, ou bien fois. Alors, ici, on peut écrire 1. Pardon. Alors, on peut écrire est égal 2 fois moins 1 sur 3. Et ici, 3 fois, alors, fois, on peut écrire comme ça, fois 3 fois moins 1. Alors, entre parenthèses, et c'est 3 fois 2 fois 2. Alors, 4 est égal à 2 fois 2. Alors, on simplifie par 2 et par 3. Alors, le reste, c'est quoi? Moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1 est égal à 1. 3 fois. Alors, ici, c'est 2. Alors, on simplifie par. Alors, ça, c'est le reste, c'est 2. Alors, on écrit 2. Alors, ça, c'est le résultat. Ici, il y a une faute. Alors, ça, c'est pour la simplification. Alors, on passe à l'autre exemple. Moins 32 sur... Moins 32 sur... Sur 18 sur 2 est égal. Moins 32 sur 1... Parce que ici sur 1 fois 2 sur 18. Alors l'inverse c'est 2 sur 18. Alors après, est égal à moins 32 sur 1 fois. Alors on simplifie ici par 6. 12 divisé par 6 est égal à 2. 18 divisé par 6 est égal à 3. Après, on simplifie. Alors on multiplie moins 32 fois 2 c'est moins 64 sur 3. Très bien. Après, on fait comme ça, autre exemple, 1 sur 1 sur 2. Alors ça, c'est le premier nombre, c'est 1. Et 1 sur 2, c'est le deuxième nombre. Alors on écrit 1 fois l'inverse de 1 sur 2, c'est 2 sur 1. Alors 1 fois 2 est égal à 2 sur 1. 2 sur 1 est égal à 2. Ça y est? Alors, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour les exercices. T'menna alaikum najah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.